Hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo première impression et swatch de ces petites nouveautés qui sont juste là. Donc il s'agit des Super Stay Matte Ink de Maybelline. Comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos sur les sourcils, j'ai reçu de la part de Maybelline quelques nouveautés, y compris cette petite chose que j'avais très envie de faire dans une vidéo première impression et swatch du coup des rouges à lèvres. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une, d'autant plus que c'est des rouges à lèvres mat liquide, je sais que ça vous plaît aussi énormément. J'avais aussi très hâte de les tester parce qu'en fait je possède pas mal de rouges à lèvres Super Stay, mais les, vous savez les Super Stay en fait 14h en rouge à lèvres, et je les adore, j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Donc là autant vous dire que je suis hyper excitée de pouvoir les tester comme ça en rouge à lèvres liquide. C'est 8 teintes puisque si je ne me trompe pas en France on trouve 8 teintes. Contrairement aux produits pour les sourcils qui n'étaient pas encore disponibles en France, là c'est déjà disponible. Alors, au niveau du prix par contre là je peux pas vous dire exactement un prix fixe puisque comme vous le savez généralement selon les supermarchés où c'est revendu ou les sites, le prix varie, mais je les ai déjà vus sur un site à moins de 10€. Donc je suis hyper ravie, d'autant plus que, comme vous pouvez le voir, il s'agit en fait de couleurs qui sont quand même relativement portables. Et moi c'est ce que j'apprécie, puisque je suis pas trop du genre à mettre des couleurs bleues, des couleurs noires sur les lèvres. Pas parce que j'ose pas, mais parce que c'est pas tout simplement dans mes goûts. Et ce genre de couleurs, bah, c'est plus dans les choses que je vais porter tous les jours. Je sais pas si vous pouvez voir, mais juste là, j'en ai aussi d'autres en fait, et ils sont pour vous. Comme pour la vidéo tatou, en fait Maybelline m'a tout envoyé en double, pour que je puisse également vous les faire gagner. Je vais d'abord en tester un sur les lèvres, voir l'impression, et après je finirai par une vidéo swatch et je vous retrouverai pour vous donner ma première impression. Cette couleur là, il s'agit de la couleur, alors où est-ce que c'est marqué? C'est marqué juste ici, donc ça c'est la couleur 05 Loyalist. Donc je vais enlever le petit blister, je vais mettre le pour y voir plus clair. J'ai déjà mis du baume à lèvres sur mes lèvres au niveau du packaging, enfin je vous zoomerai la brosse pour que vous puissiez voir. C'est parti. Oh j'adore la couleur. Le produit sent trop bon, ça sent un peu la vanille. Alors autant vous dire que cette première teinte est juste sublime. Quand vous l'appliquez, c'est super simple d'application, ça fait un peu comme des rouges veloutés en fait. Donc c'est très crémeux quand vous l'appliquez et ça sèche. Là, je sens que c'est en train de sécher. Voilà, je vous retrouve après tous les swatchs. Je peux vous assurer que j'ai galéré. J'ai galéré parce que c'était une catastrophe de les retirer. Au début, j'avais juste prévu ma petite lotion micellaire. Je me suis dit, ça va faire l'affaire. Non. Donc je me suis dit, je vais prendre mes lingettes gommantes. Non. Donc j'ai pu aller chercher mon démaquillant biphasé et il n'y a que ça qui a fait et c'était quand même pas facile. Là, je vais de toute manière sortir et donc je vais les garder toute la soirée, enfin je vais garder celui-là toute la soirée, donc on verra bien si ça a tenu, ce que ça a donné. Il y en a deux que j'ai le plus préféré, c'est ces deux-là, le 05 le Loyalist et le 35 Creator. Du coup j'ai pu les swatcher
tous. Je peux vous dire par contre que selon les couleurs, j'ai remarqué qu'il y avait une petite différence de texture. Par exemple celui-là, ça fait vraiment très velouté. Alors que par exemple celui-là, je crois que c'est celui-là, le numéro 20, il était plus facile plus compliqué à appliquer et j'ai l'impression que c'était un peu plus collant. Les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres, ça y a pas photo. Celui-là, je pensais qu'il allait être... il a l'air orangé. Pourtant, vous allez peut-être l'avoir remarqué sur les swatchs, il fait un peu plus orange rose que tout court orange. Donc c'est peut-être la couleur que finalement, on va dire, qui me déçoit le plus. Et décevoir, c'est un bien gros mot, hein, parce que la couleur est quand même très belle. C'est vrai que j'adore les orangés. Si ça vous intéresse de remporter ces petites beautés, eh bien je vous retrouve sur Instagram. Sur ce, je vous fais à tous des très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.